Mardi 2 mars 2021. Je fais un cauchemar pour me calmer. L'enfer est parfois un paradis pour se purifier. J'écoute tous les jours la même musique pour guérir et je dors tous les jours devant le film Exorciste que je passe en boucle, même la journée quand j'ai un coup de mou. Frédéric est à l'hôpital psychiatrique à Grignan. Il retrouve un camarade de classe et déchire tous les livres. Maman, Frédéric se réveille. C'était un cauchemar. Et pour se purifier et me calmer, maman, papa, tata, mamie, je vous aime, je vous pardonne. Marie-France-Rose, la rose vient faire le ménage chez Frédéric Mench. Frédéric dit, la liberté de penser, l'attentat de à Charlie, la liberté, c'est de le vivre ensemble. Marie répond, le vivre ensemble, on ne doit pas avoir la liberté de penser, car insister, les gens doivent pas être libres d'insulter les gens de terroristes. C'est incitation à la haine, c'est comme si on disait Macron terroriste et Charlie Hebdo terroriste. C'est ma caricature. On doit être très intelligent avec certains sujets un peu limités. Frédéric répond, on devrait remettre le mariage entre la religion catholique et l'État. Marie dit, ça serait revenir en arrière et ça serait pire. Déjà, même l'église, mosquée, politique, corrompue. Frédéric répond, moi, ma famille m'a abandonné. On trouverait ça normal que je me compare à Lucifer. Marie répond, toi Frédéric, tu es un gentil garçon, le diable est ton père. L'histoire que tu m'as racontée, que ton père frappait les femmes et ses enfants, ça confirme, Satan c'est lui. Frédéric pense, la prostituée c'est ma mère. Christine, quand une gamine de 13 ans se caresse les fesses et me provoque en me proposant un plan cul, quand je avais 17 ans, elle avait l'âge pour être consentante à l'hôpital psychiatrique. La dame dit, non, c'est une victime. Frédéric répond, non, viol, c'est quand on veut pas. La dame dit, non, c'est une victime. Non, consentement. Pour provoquer les adultes, les gamines l'ont cherché. La dame me dit, vous êtes macho. Frédéric pense, raciste toi-même, féministe. Quand j'avais 8 ans, pour regarder du porno derrière le dos des parents, je sais que je n'étais
pas victime mais consentante, car il savait en y m'aurait en passé un savon, car il faut me purifier pour m'enlever le mal, pour que je rejoigne la lumière. La dame dit, non, t'es une victime, il faut en parler au psychiatre. Frédéric dit, non, avec la peine de mort, j'ai pas envie de tuer mes parents, mais tuer ceux qui ont, ceux qui sont pour la peine de mort. Vous les maîtresses, vous êtes comme les hommes politiques. Vous êtes fonctionnaire, on ne peut pas vous licencier. Sarkozy, DSK, en l'enfer, on appelle la prison. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est le Club Med, le paradis sur terre aux frais du contribuable. Depuis que je suis enfant, je suis en prison devant ma télé. L'univers a un plan. L'univers a un plan. Mon subconscient me dit de faire confiance à l'univers et de pas juger des incohérences sur le moment, que j'ai été inspiré par l'univers pour écrire les incohérences prouvant que je ne suis pas parfait. Il y a un mélange de discours du diable et de l'ange, et que l'épée de ma bouche, c'était pour me faire réagir. L'enfer, c'est pour me faire réagir. La fin du monde n'existe pas. C'est pour me faire réagir. L'importance de la peur. Ma famille va guérir et ceux qui sont morts vont revenir, car la mort n'existe pas, nous sommes tous immortels, l'au-delà vers l'infini, cauchemar en famille d'accueil. Frédéric va voir Lucie les haines dans les Marvel Supergirl. Lucie dit, je reste enfermée dans cette pièce, car Joseph n'a pas changé, c'est toujours un prédateur sexuel. C'est pour quand les hommes vont comprendre, c'est notre corps, c'est pas ma. Chat, elle répond par une parodie d'un si grand soleil, ne touche pas ma chatte, va chatter ailleurs.